Hello, 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 my international people. Thank you for being with us. Louise Wachu broadcasting live from Vancouver today. We have a slightly different format. We're recording from a different studio, and we're talking. The show is going to be in French. Thank you for being with us, but the show is going to be in French. We're talking about the situation in Ivory Coast. Let us remember that today is April 11th, 2013, and we're going to remember April 11th, 2011 in Ivory Coast, what happened, a very significant date. So thank you for being with us, but the show is going to be in French. Merci, chers auditeurs, d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, le 11 avril 2013, vous êtes avec votre animatrice, Louise Wachu. Je suis en direct de Vancouver. Et aujourd'hui, nous nous rappelons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a basculé bien avant le 11 avril 2011, mais nous nous souvenons particulièrement de cette date du 11 avril 2011. Et alors aujourd'hui, en 2013, nous allons parler à un auteur qui a écrit sur la tragédie et ce qui se passe présentement depuis le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Alors, merci d'être avec nous en français et en anglais chaque semaine. Merci d'être avec nous, de partager notre show vraiment et toutes les questions que vous envoyez, les comments, les emails. Merci, merci d'être avec nous. Alors, on va rejoindre notre invité sans tarder. Bonsoir, cher Steve Beko. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Alors, précisons que Steve Beko, c'est un nom alias. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient juste de sortir. Et l'auteur, le livre s'appelle « La Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste au cœur de la traque des partisans de Laurent Gbagbo par le régime de Ouattara ». En effet. Oui. Alors, comment vous sentez-vous par rapport à la sortie de votre livre? Quand est-ce qu'il est sorti exactement? Le livre est sorti il y a de cela une semaine aux éditions L'Armatan à Paris en France. Mm-hmm. Et vous vous sentez comment par rapport à la sortie? La sortie d'un livre, c'est grand, mais encore là, votre livre, son contenu, c'est encore plus grand que le livre même. Vous vous sentez comment par rapport à ce livre, à la sortie du livre? Disons, madame, que je suis soulagé parce que depuis que je suis sorti de mon pays, ce sont des choses que j'avais besoin de raconter. J'avais besoin d'expliquer aux uns et aux autres, au monde entier, ce qui s'est passé dans mon pays durant ces 10 dernières années. Et en tant que jeune Ivoirien, j'ai vécu ces choses de près. J'ai touché cette horreur de près et j'avais besoin d'extirper toute cette douleur que j'avais en moi. Donc c'était un soulagement, c'est comme si je me confiais à un psychologue, c'est comme si j'extirpais toute cette douleur de moi. C'est un soulagement et je suis heureux que ce livre puisse permettre à d'autres personnes en dehors de mon pays de comprendre ce qui s'est réellement passé et ce que continuent de subir les populations ivoiriennes. Oui. Alors, vous allez effectivement nous en dire un peu plus sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce que subissent les populations ivoiriennes, ce que les médias internationaux ne nous disent pas. Mais avant tout, on veut comprendre votre parcours, à commencer par le nom que vous avez choisi d'utiliser. Donc, Steve Beko, ça évoque le Sud-Africain. Steve Biko, est-ce que c'est par rapport à lui, en quoi est-ce que, et pourquoi aussi vous aviez choisi d'utiliser ce nom au lieu d'utiliser votre nom, et puis si vous êtes confortable aussi à dire à nos auditeurs, c'est quoi votre nom? Merci, mon nom à l'état civil c'est Fabrice Lago, mais j'ai choisi le pseudonyme de Steve Biko pour deux raisons. D'abord pour rendre hommage au Sud-Africain Steve Bantu Biko, qui a mené en Afrique du Sud le combat pour faire respecter la dignité de l'homme noir.
Il a été assassiné très jeune et c'était une manière de lui rendre hommage. Mais aussi parce que Beko a une signification particulière dans l'ethnie, dans une des ethnies de Côte d'Ivoire, qui est précisément l'ethnie de ma mère, où Beko signifie, disons, de manière littérale, il n'y a rien. C'est une manière de dire avançons, continuons de mener le combat. Mais en rendant hommage au Sud-Africain Steve Bantu Biko, je m'assimile à lui, je m'assimile à son combat parce que, comme lui, j'ai aussi milité dans des structures estudiantines avant d'arriver aujourd'hui à m'intéresser aux questions politiques par la force des choses. Oui. Alors, précisons que vous êtes effectivement très jeune. Vous êtes né en 1982. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de vieux qui sont qualifiés que vous pensez qu'ils peuvent avancer votre combat? C'est quoi qui vous pousse au juste à avoir été aussi jeune, mais avoir décidé d'être un cyberactiviste? Ça a un grand rôle, ça. Oui, madame, vous savez, lorsque la situation devient critique, lorsqu'elle atteint le seuil qu'elle a atteint dans mon pays, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Nous avons l'habitude de dire que chaque génération a sa mission. Et je pense que c'est la mission de ma génération, celle justement des années 80, de porter le lourd fardeau du combat que nous menons. La première fois que je suis allé en prison, j'étais encore plus jeune, je devais avoir certainement 16 ans, et c'était pour des revendications estudiantines. Donc, j'ai compris assez tôt que l'injustice mérite d'être combattue sous toutes ses formes. Il y a longtemps de cela que nous avons commencé à dénoncer les injustices dans notre pays, et il était important de continuer cela. Sinon, nous sommes avec des aînés qui, eux aussi, mènent le combat à leur niveau, mais chacun accomplit sa mission et j'ai choisi le credo dans lequel je me sentais le mieux à l'aise pour m'exprimer, c'est-à-dire venir sur les réseaux sociaux, utiliser les nouvelles technologies pour communiquer avec le maximum de personnes sur la crise qui prévaut dans mon pays. Et si aujourd'hui je suis sur une radio canadienne pour parler de la Côte d'Ivoire, cela ne peut que me rassurer sur le fait que j'ai fait le bon choix en décidant de devenir cyberactiviste. Oui, effectivement, parce que nous, on ne reçoit pas beaucoup de nouvelles de la jeunesse ivoirienne, mais en même temps, on veut comprendre ce qui arrive réellement. Parce que quand on est au Canada, et qu'on va par exemple sur le site de la CIA, le site de la CIA même dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections, et que donc Gbagbo est en prison et qu'il mérite d'être en prison. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé à cette date du 11 avril que nous avons tenté de souligner aujourd'hui? Et puis, selon vous, comment êtes-vous capable de déterminer qui avait gagné les élections et qui devrait réellement être en prison? Ok, merci madame. Mais avant d'arriver à la date du 11 avril, je souhaiterais résumer un peu la scène politique ivoirienne. La Côte d'Ivoire est devenue indépendante en 1960 et elle a été dirigée par le président Oufouet, qui sous le parti unique. Et il y a eu des opposants qui se sont levés pour combattre le parti unique, qui, comme son nom l'indique, faisait la promotion de la pensée unique. Ce parti unique-là, c'était le PDCI-RDA. Donc, Laurent Gbagbo a fait 30 années d'abord de clandestinité et d'opposition avant d'arriver au pouvoir en 2000. Mais bien avant, il n'y a que Houphouët Boigny qui a dirigé la Côte d'Ivoire à partir de 1960, est décédé en 1993. Il y a une guerre, donc, bon, je dirais pas une guerre armée, mais un conflit entre ses héritiers pour savoir qui prendrait le pouvoir. Ce conflit oppose Monsieur Henri Konan Bédié à Monsieur Alassane Ouattara, qui, après avoir servi au FMI, avait été nommé comme premier ministre par le président Houphouët.
Henri Konan Bédier remporte donc la bataille des héritiers et devient le président de la Côte d'Ivoire en héritage. Alassane Ouattara menace à travers plusieurs médias, et vous pouvez retrouver cela sur Internet partout, de faire tomber le régime du président Henri Konan Bédier. En 1999, il y a un coup d'État qui s'opère et le PDCI perd donc le pouvoir et une junte militaire s'installe, qui est dirigée par M. Robert Guéï. La junte militaire organise des élections et Laurent Gbagbo gagne ces élections. Il devient donc le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara ne participe pas à ces élections parce que sa candidature est rejetée par le Conseil constitutionnel pour nationalité douteuse. Il faut dire que, avant d'être Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fait des études en tant que voltaïque, en tant que ressortissant du Burkina Faso. Et si vous vous rendez à l'université américaine à Philadelphie qu'il a fréquentée, vous pourrez retrouver son nom parmi les boursiers de l'État burkinabé. Il a servi au FMI en tant que burkinabé. Si vous consultez le mensuel Jeune Afrique de cette période, vous trouverez une présentation de M. Ouattara où il est dit clairement qu'il est burkinabé. Donc le Conseil constitutionnel rejette sa candidature parce que la Constitution ivoirienne dit que pour être candidat, il faut avoir la nationalité ivoirienne et ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. M. Ouattara estime que la décision du Conseil constitutionnel est injuste. Donc, et en 2002, des jeunes et des déserteurs de l'armée qu'il avait réunis au Burkina Faso, qui est situé au nord du pays, attaquent donc le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et il y a une partition du pays. Les rebelles occupent 60% du territoire et M. Laurent Gbagbo conserve 40% du territoire. Des dialogues sont donc organisés, notamment dans certaines capitales africaines et à Marcoussis en France, où il y a un partage du pouvoir. La France demande à M. Laurent Gbagbo de prendre des rebelles dans son gouvernement, ce qu'il fait. Et il va même jusqu'à nommer Soro Guillaume, qui est le chef des rebelles, comme premier ministre. En contrepartie, les rebelles doivent désarmer pour que les élections soient organisées. Mais en 2010, quand Laurent Gbagbo demande à la France de faire pression sur les rebelles pour qu'ils désarment, la France lui rétorque que c'est une manière de gagner le temps parce qu'il n'est pas sûr de gagner les élections. Les élections se déroulent donc avec des rebelles qui ont des armes et qui contrôlent 60% du territoire national. Ceux-ci sont acquis à la cause d'Alassane Ouattara. Durant le second tour des élections qui oppose Alassane Ouattara à M. Laurent Gbagbo, parce qu'en temps, M. Laurent Gbagbo a utilisé une disposition particulière de la Constitution ivoirienne, qui est l'article 48, pour permettre à M. Ouattara, qui ne remplissait pas les conditions, d'être candidat. Donc les rebelles dans le nord du pays frappent les partisans de Laurent Gbagbo, les empêchent de voter. Sur plusieurs bulletins issus des bureaux de vote, on a des pourcentages, on a un nombre d'électeurs qui dépasse le nombre d'inscrits. Dans la région, par exemple, de Boaké, qui est le centre contrôlé par les rebelles, il y a plusieurs partisans de Laurent Gbagbo qui sont molestés et exclus des bureaux de vote et empêchés de voter. Et si je vous enverrai certainement les PV pour que vous soyez mieux informés, mais il y a plusieurs procès-verbaux où il y a plus de votants que d'inscrits. Laurent Gbagbo donc saisit. Mais d'abord, la commission électorale indépendante, qui je précise est dirigée par l'opposition, n'arrive pas à proclamer le résultat des élections parce que selon la Constitution ivoirienne, la CEI, qui est la Commission électorale indépendante, a 3 jours pour proclamer le résultat des élections. Elle n'arrive donc pas à le faire. Et pendant que les Ivoiriens s'attendent à ce que le Conseil constitutionnel se saisisse du dossier pour proclamer le résultat, le président du Conseil constitutionnel de la Commission est pris par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de France. Il est emmené dans le QG, qui est le quartier général de M. Ouattara, dans l'hôtel où M. Ouattara loge et où il dort, pour le déclarer comme vainqueur en violation de la Constitution ivoirienne, madame. Le Conseil Ah. constitutionnel, donc, Donc, décide. Oui. celui-là, il a été le premier à être kidnappé parce qu'après ça, il y a eu beaucoup de kidnappings. Est-ce qu'on peut appeler ça un kidnapping pour aller forcer quelqu'un à déclarer le vainqueur? Lui, il a été certes kidnappé, mais cela s'est fait avec sa volonté. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est membre de l'opposition. Son nom, c'est M. Youssouf Bakayoko.
et il est issu du parti de Monsieur Ouattara. Ah, donc il est allé volontairement. Il y est allé volontairement, mais je veux dire que puisque l'armée ivoirienne assurait la sécurité, puisque c'est l'armée ivoirienne qui assure la sécurité du bâtiment où travaille la commission électorale indépendante. Donc, les militaires français sont donc venus avec les différents ambassadeurs que j'ai cités, prendre le monsieur et l'emmener dans le QG de Monsieur Ouattara pour le proclamer comme vainqueur, en violation de la constitution ivoirienne. Donc, le Conseil constitutionnel, au regard des recours déposés par le parti du président Laurent Gbagbo, décide que c'est celui-ci qui a gagné les élections et le proclame comme vainqueur. Laurent Gbagbo est investi des pleins pouvoirs par le Conseil constitutionnel pour diriger le pays. M. Ouattara, qui est soutenu par la France et les États-Unis, est à l'hôtel du Golfe, qui est son QG, et de là-bas, il demande aux rebelles qui occupaient déjà 60% du territoire de descendre sur la capitale. Et la guerre commence dans le quartier d'Abobo, qui est situé à Abidjan, où un commando qui a été baptisé invisible par les médias français frappe tous les partisans de Laurent Gbagbo, incendie des villages, attaque la télévision nationale. Voici donc l'atmosphère qui prévaut dans le pays jusqu'à ce que l'armée française, parce que les rebelles n'arrivaient pas avec l'armée nationale de Côte d'Ivoire, l'armée française décide donc de rentrer dans le jeu et elle se sert de son aviation pour bombarder les positions, non seulement des militaires, mais pour bombarder aussi la résidence privée du chef de l'État. C'est ainsi que durant plusieurs jours, Laurent Gbagbo, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et ses collaborateurs vont vivre sous le bombardement de l'armée française. Les militaires français vont donc forcer le portail de la résidence présidentielle le 11 avril 2011 à 10h, et livrer le président Laurent Gbagbo aux rebelles qui vont violenter et violer son épouse, qui vont frapper son fils, qui vont lui-même le battre avec plusieurs de ses collaborateurs qui jusqu'à ce jour sont enfermés dans des prisons au nord de la Côte d'Ivoire. Donc, madame, lorsque sur le site de la CIA, il est mis que c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections, nous sommes étonnés parce que je n'imagine pas qu'aux États-Unis, on puisse avoir une élection et que le Conseil constitutionnel puisse proclamer que c'est un candidat qui a gagné et un autre candidat va aller contre cette décision du Conseil constitutionnel parce qu'il est soutenu par certains pays. Je suis étonné que dans les pays qui se disent démocratiques, on ne puisse pas accepter que des Africains veuillent respecter les règles élémentaires de démocratie qui consistent au respect de la loi, au respect de la volonté du peuple. Donc, madame, dans mon pays, ce qui s'est passé en 2011, c'est que la volonté du peuple a été bafouée. La volonté des citoyens ivoiriens a été bafouée. La loi fondamentale ivoirienne, qui est la Constitution, a été piétinée parce que des hommes d'affaires internationaux, soutenus par des politiques, voulaient mettre au pouvoir un de leurs qui allait leur brader les ressources naturelles de mon pays. Voici plus ou moins un résumé de la situation qui a prévalu jusqu'à avril 2011 et le kidnapping du président Laurent Gbagbo et de son épouse. Oui, c'est vraiment un très très bon résumé, un très bon aperçu pour voir, pour mieux comprendre sur la situation globale. Qui est Laurent Gbagbo? Est-ce que vous êtes de la famille de Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce que vous le défendez autant? C'est quoi la différence entre lui et Ouattara? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Gbagbo et Ouattara avaient travaillé ensemble, qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre. Et puis les gens qui disent que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, vu que les frontières sont de toute façon des frontières inventées par les colonisateurs, est-ce que réellement entre Africains, il devrait y avoir un problème de nationalité? Vous savez, madame, je ne suis pas de l'ethnie de Laurent Gbagbo, je ne suis pas membre de sa famille, je ne suis pas membre de son ethnie et je ne suis même pas membre de son groupement politique. Mais
les Ivoiriens en général et les jeunes de mon âge ont une histoire avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, est le père de la démocratie. Si les jeunes peuvent voter en Côte d'Ivoire à partir de 18 ans, c'est grâce à Laurent Gbagbo qui a mené ce combat et qui est allé en prison à plusieurs reprises pour ses convictions-là. Madame, avant Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, on votait avec des urnes non transparentes. Il n'y avait pas d'isoloir. C'est Laurent Gbagbo qui a revendiqué pour qu'il y ait des urnes transparentes, pour qu'il y ait des isoloirs, pour que l'on reconnaisse le droit aux syndicats de manifester. Et pour cela, il a été déjà enfermé à plusieurs reprises par le même Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Donc, madame, nous défendons Laurent Gbagbo parce que nous avons bénéficié des retombées de son combat. La différence entre Laurent Gbagbo et M. Ouattara est que Laurent Gbagbo est ce que les Ivoiriens appellent un fils du pays, c'est-à-dire un homme qui a fait tout son parcours en Côte d'Ivoire, qui a fait ses études en Côte d'Ivoire, qui a acquis sa notoriété en parcourant tous les villages et villes du pays pour convaincre les populations. Contrairement à M. Ouattara, que les Ivoiriens ont découvert en 1990, lorsque Henri Konan Bédié le nomme, lorsque Henri Félix Houphouët-Boigny, pardon, le nomme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ouattara, c'est l'homme des institutions financières internationales. C'est celui qui a servi à la BCAO, au Fonds monétaire international, avant d'être parachuté comme Premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, madame, entre celui que vous connaissez, entre celui qui a toujours été à vos côtés, entre celui qui s'est battu pour améliorer vos conditions de vie et de travail, et celui que le FMI envoie, naturellement, le choix des jeunes de ma génération ne peut aller que vers Laurent Gbagbo. Oui. Je suis étonné que l'on nous dise qu'on ne doit pas tenir compte des frontières en Côte d'Ivoire parce que elles ont été tracées par des Blancs. Madame, nous qui sommes partisans de Laurent Gbagbo, nous sommes fondamentalement panafricanistes. Et nous faisons partie de ceux qui sont pour que on ait une Union africaine plus forte. Mais si tel est que on veut vraiment aller au panafricanisme, alors on s'assoit et on décide de supprimer les frontières qui ont été tracées lors de la conférence de Berlin et puis on forme une seule Afrique. Mais on ne peut pas protéger son pays et dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de nationalité, madame. Je ne peux pas aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, aller au Burkina Faso et dire je ne respecte pas vos lois, je me dis que c'est l'Afrique, donc si j'arrive au Burkina, je suis un Burkinabé. Ce serait installer le désordre dans leur pays. Donc, si tel est que tous les Africains veulent aller vers une Afrique plus forte, alors acceptons de nous asseoir et de supprimer les frontières. Et c'est ça qui est le souhait du président Laurent Gbagbo. Lorsqu'il était président, à chaque fois qu'un pays africain était touché par un malheur, Laurent Gbagbo lui apportait son soutien. Lorsqu'il y a eu les inondations au Burkina Faso, le président Laurent Gbagbo a fait un don de 500 millions aux populations burkinabées pour les soutenir. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas foncièrement panafricain, qui n'est pas attaché au respect de la dignité africaine, peut le faire? Je ne crois pas. Nous disons que la liberté, c'est le respect des lois. Tant qu'une loi est en vigueur, nous devons la respecter. Et la Constitution ivoirienne disait que M. Ouattara n'a pas le droit d'être candidat parce qu'il ne respecte pas cela. Mais nous ne sommes plus à ce stade du débat. Il a déjà été candidat, mais nous sommes étonnés que les puissances occidentales puissent bafouer la volonté populaire, puissent bafouer le droit, rien que pour installer leur protégé au pouvoir. Voici un peu, madame, pourquoi nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Ce qui attise aujourd'hui la convoitise des gens, c'est les richesses de la Côte d'Ivoire, c'est le pétrole qui a été découvert, c'est le cacao, c'est le bois, c'est le café et autres. Et pour asservir ce peuple, pour exploiter les richesses sans payer, pour que Bolloré puisse se servir comme il veut, pour que les grandes usines de chocolat puissent payer le cacao à vil prix, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, pour que ces gens puissent payer le cacao à vil prix, on a préféré installer un monsieur que les Ivoiriens ne veulent pas. Et comme lui, il sait qu'il ne tient pas son pouvoir de la volonté populaire, mais seulement de par la volonté de ceux qui l'ont mis là,
Il ne cherche pas à faire la volonté du peuple. Il cherche plutôt à faire plaisir à ceux qui l'ont installé. Sinon, comment pouvez-vous comprendre, madame, que alors que Amnesty International, Human Rights Watch ont fait sortir tout récemment deux dossiers dans lesquels ils dénoncent les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, que M. Ouattara puisse être reçu aujourd'hui par le président de la République française? Quel est le message que l'on veut donner aux Ivoiriens? Quelle est la leçon que l'on veut donner aux Ivoiriens? Est-ce que l'on veut nous dire que pour être aimé de la communauté internationale, il faut prendre les armes pour tuer ses semblables, pour tuer des Africains, pour que le monde vous ouvre ses portes? Voilà les questions que nous nous posons aujourd'hui. Oui, effectivement. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de Monsieur Ouattara de travailler pour la communauté internationale au lieu de travailler pour le peuple? Parce que quand même, lui, il est malgré tout africain. Donc, c'est quoi son intérêt de travailler pour la communauté internationale? Mais madame, M. Ouattara n'a rien inventé. Sous la colonisation, mais avant même sous l'esclavage, il y a eu des Noirs qui vendaient leurs frères noirs aux Blancs. Cela le faisait pourquoi? Mais il le faisait pour les miroirs que les Blancs leur ramenaient, pour la pacotille. Sous l'apartheid en Afrique du Sud, il y a eu les Noirs qui soutenaient les Blancs pour que leurs frères noirs soient brimés. Sous la colonisation, il y a eu des Noirs qui soutenaient les Blancs pour que leurs frères noirs soient brimés. Donc, à chaque étape de l'histoire, il y a toujours des Noirs pour se mettre au service des Blancs. C'est ce que Malcolm X appelle les House Negro, c'est-à-dire des gens qui n'ont Dieu que pour le maître, pour qui tout ce que le maître fait est bien. Donc, Ouattara fait partie de cette classe de gens qui préfèrent servir les Blancs pour s'enrichir sa famille et lui, plutôt que de servir le peuple, madame. Parce que celui qui vous donne le pouvoir, il a un droit de regard sur votre gestion. Si c'est le peuple qui vous donne le pouvoir, il a un droit de regard sur votre gestion. Si ce sont les puissances étrangères qui vous donnent le pouvoir, celles-ci ont un droit de regard sur votre gestion. Donc, quand Ouattara décide de servir la France, de servir les États-Unis, mais c'est comme le House Negro, justement, qui se met au service du blanc pour martyriser ses propres frères. Voilà. Oui. Alors, parlez-nous alors effectivement des politiques présentement. Comment va le peuple ivoirien présentement et comment vont les réfugiés ivoiriens dans les pays limitrophes où les gens se sont enfuis? Comment alors Ouattara traite le peuple? Comment est-ce qu'il est reçu? Est-ce qu'il n'y a que des opposants politiques qui sont à l'extérieur, qui sont contre lui, ou à l'intérieur du pays, qu'en dit le peuple ivoirien? Madame, quand moi je parle du peuple ivoirien, je ne parle pas des partisans de Laurent Gbagbo. Au moment où je vous parle, en Côte d'Ivoire, l'école est fermée parce que les enseignants de Côte d'Ivoire sont en grève. Et l'État, au lieu de les recevoir, a plutôt arrêté les différents responsables. Il y a six enseignants qui ont été arrêtés avant-hier, qui étaient enfermés parce qu'ils sont simplement en grève. Au moment où je vous parle, madame, le prix des denrées alimentaires de première nécessité ont flambé en Côte d'Ivoire. Je dis bien tous les prix. Au moment où je vous parle, M. Ouattara a fait des ponctions, c'est-à-dire il a diminué le salaire des enseignants. Donc, madame, le peuple ivoirien vit très mal. Ça, c'est au niveau économique. Au niveau social, M. Ouattara a installé ce qu'il a appelé le rattrapage ethnique, qui consiste à faire la promotion des gens issus du Nord au détriment des autres peuples. Je vous rappelle que la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. Donc, faire la promotion d'une seule ethnie au détriment des autres, c'est créer des conditions d'une explosion sociale. Aujourd'hui, où je vous parle, madame, il y a des Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas le droit d'exprimer leur opinion politique. Plusieurs partisans du président Laurent Gbagbo sont en prison. Plusieurs responsables de son parti sont en prison pour avoir dit que M. Ouattara n'a pas gagné les élections. Au moment où nous faisons cette émission ce soir, madame, il y a 1 500 prisonniers politiques dans les prisons en Côte d'Ivoire.
des personnes qui ne partagent pas les opinions de Ouattara. Et ce que je dis, madame, je ne vote rien. Je vous demande encore de consulter les derniers rapports d'Amnesty International dans lesquels c'est dit clairement. En ce qui concerne les réfugiés, madame, est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a 152 enseignants d'université qui sont en exil? Je dis bien 152 professeurs d'université. Et parmi eux, il y a par exemple le professeur Yao Nguessan Thomas, qui est le seul enseignant de chimie, qui est le seul professeur de chimie quantique en Afrique, qui siège au comité d'attribution du prix Nobel de chimie, madame. Et comment pouvez-vous imaginer qu'un pays qui veut aller de l'avant puisse laisser un tel cerveau en exil? Au moment où je vous parle, ce sont des milliers d'étudiants qui sont en exil, qui sont réfugiés, soit au Togo, au Ghana, au Libéria et autres. Et M. Ouattara a estimé que le fait d'avoir des réfugiés n'était pas reluisant pour son pays. Alors, il a donc signé des conventions avec différents pays, dont le Togo, pour que le ICA arrête de nourrir les réfugiés. Au moment où je vous parle, madame, ça fait 3 mois que les réfugiés ivoiriens au Togo ne sont plus alimentés par le ICA. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui se cotisent pour offrir à manger aux réfugiés. Ils ne sont plus pris en compte au niveau de la santé. Ça, c'est du point de vue prise en charge. Mais en plus de cela, madame, chaque jour que Dieu fait, ce sont des réfugiés qui sont pris et qui sont extradés vers la Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé, qui était ministre dans le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo, a été arrêté en Côte d'Ivoire et extradé comme un vulgaire voyou. Le ministre Lida Kwasi Moïse, qui était ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo et qui était réfugié au Togo, a été extradé et torturé à l'électricité. Madame, vous pouvez imaginer que l'on vous branche des fils électriques sous les ongles pour vous faire avouer un certain nombre de choses. Au moment où je vous parle, la situation est chaotique, madame, pour les Ivoiriens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais il n'y a que la presse internationale, il n'y a que la presse française pour ne pas voir cette réalité-là. Donc, je suis heureux que ce soir vous me donnez l'occasion d'expliquer aux gens. Et je me tiens à leur disposition, à la disposition du monde entier pour leur envoyer les preuves de ce que nous affirmons, madame. Parce que quand nous parlons avec des preuves, nous parlons avec des faits. Et les faits sont importants à souligner dans une histoire. Donc, voici un peu la situation qui prévaut aussi bien en Côte d'Ivoire où c'est la loi de l'omerta, où des gens n'ont pas le droit de s'exprimer, d'exprimer une opposition politique contre à celle de Ouattara. Au moment où nous parlons, madame, il y aura les élections municipales bientôt et aucun parti d'opposition ne participe à ces élections-là. C'est le pouvoir, c'est le parti politique de Ouattara seul qui participe. Par le passé, il y a les élections législatives auxquelles aucun parti d'opposition n'a participé. Vous imaginez, madame, qu'au Canada, il y a un seul parti qui est représenté à l'Assemblée nationale et il y a un seul parti qui soit représenté, mais ça créerait une fronde sociale. Mais comme c'est en Afrique et que c'est en Côte d'Ivoire, tout le monde accepte ce genre de choses. Donc voici un peu, madame, pour être bref, un résumé de la situation. Oui. Alors, vous avez décidé justement de faire quelque chose par rapport à ça et vous avez décidé de devenir cyberactiviste, comme vous dites. Alors, parlez-nous alors de votre parcours, de comment vous avez écrit ce livre qui s'intitule « Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste ». Et c'est quoi un cyberactiviste et qu'est-ce que vous faites au juste? Est-ce que réellement ce combat-là peut se mener sur Internet, sur le cyber, dans la nouvelle, selon la nouvelle génération? Ou est-ce que les Ivoiriens, eux aussi, ou les gens qui veulent devenir des révolutionnaires et se battre pour la liberté, ont plutôt besoin d'aller réellement se battre avec des armes sur le front, vu que le pouvoir a été pris par des armes? Est-ce que vous pensez que l'activisme, le cyberactivisme, peut réellement changer des choses? Merci, madame. Vous savez, un partisan de Laurent Gbagbo ne peut jamais utiliser les armes pour mener un combat. Parce que l'image que le parcours du président Laurent Gbagbo nous renvoie,
C'est l'image de celui qui, au sacrifice de sa vie, s'est battu de manière démocratique pour obtenir des avancées. Et nous ne pensons pas que l'on puisse faire avancer des choses par le pouvoir des armes. Nous sommes très loin de cette idéologie-là. Nous, ce sont des revendications légitimes. Mais madame, je suis devenu cyberactiviste à l'instar de tous les Ivoiriens, même ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, parce que quand les Ivoiriens ont essayé de se réunir pour protester contre ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les meetings et les manifestations pacifiques ont été réprimés. Il y a eu plusieurs morts dans ces manifestations-là. Donc nous avons décidé de faire du cyberactivisme qui consiste à dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous l'avez vous-même dit en début d'émission, les chaînes de télévision étrangères ne montrent pas en général la vérité sur ce qui se passe. Nous avons donc décidé de dire la vérité, de créer une source de vérité où tous ceux qui s'intéressent à la cause ivoirienne viendraient s'abreuver pour comprendre véritablement ce qui se passe. C'est donc un livre où je raconte comment je suis devenu cyberactiviste, mais c'est tous les Ivoiriens qui aujourd'hui, par la force des choses, sont devenus cyberactivistes, madame. Le président, le secrétaire général de la jeunesse du FPI aujourd'hui est un cyberactiviste parce qu'il est empêché de s'exprimer en Côte d'Ivoire dans les meetings. Il est donc obligé de venir sur Facebook, sur Twitter, sur les blogs pour passer son message. Donc, madame, Dramane Ouattara, qui a pris le pouvoir pour faire asseoir la pensée unique, pour faire asseoir un parti unique, n'est pas prêt à laisser les Ivoiriens exprimer librement leur opinion, justement parce qu'il sait qu'il ne détient pas son pouvoir de la volonté populaire. Donc, je suis un cyberactiviste parmi d'autres Ivoiriens qui ont décidé de faire la même chose. Madame, s'il n'y avait pas eu la crise, je serais présentement peut-être enseignant à l'université parce que j'aurais soutenu ma thèse et je serais en train de donner des cours à des jeunes Ivoiriens. Mais parce que Ouattara a décidé qu'il fallait empêcher tous ceux qui ne sont pas de son camp de rester en Côte d'Ivoire, nous avons pris sur nous de sortir du pays pour préserver notre vie. Et nous nous sommes rabattus sur le cyberactivisme pour dénoncer la situation. Et nous avons foi que la situation va changer grâce à des personnes comme vous qui nous donnent la parole pour exprimer des opinions différentes. Ce qui est répandu généralement par les médias traditionnels. Et aujourd'hui, si je suis à votre radio, c'est bien parce que le cyberactivisme permet de se faire entendre. Madame, le cyberactivisme permet tellement de se faire entendre que certains jeunes cyberactivistes ivoiriens sont arrêtés. Le camarade Alain Dobby, qui était cyberactiviste qui est en Côte d'Ivoire, a été arrêté, madame. Il a été torturé à la direction du surveillant du territoire. Plein d'autres camarades, aujourd'hui, des cyberactivistes, croupissent en Côte d'Ivoire dans les prisons simplement pour avoir ouvert un ordinateur pour critiquer la gestion chaotique du pouvoir. Donc, Dramane Ouattara, Blaise Compaoré, Soro Guillaume et toutes les cliques ont décidé, madame, de mettre la Côte d'Ivoire au pouvoir des puissances étrangères. Et le peuple ivoirien, qu'il soit à l'étranger et qu'il soit au pays, subit cela. Mais nous n'entendons pas baisser les bras. Si vous voyez les Ivoiriens se mobiliser un peu partout, à La Haye, dans les rues de Paris, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, c'est parce que les Ivoiriens veulent le retour de la démocratie, les Ivoiriens veulent la libération du président Laurent Gbagbo. Oui. Alors, justement, vu que le temps nous rattrape, parlons alors de Laurent Gbagbo. Comment est-ce qu'il va là où il est? Et puis, premièrement, moi personnellement, je ne comprends pas comment un président africain peut être amené en cour pénale internationale à La Haye, mais ça c'est un autre débat. Donc là, il est déjà là-bas. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Comment s'annonce l'avenir et le combat? Est-ce qu'il va réellement être libéré? Est-ce que ça, c'est pas une catastrophe, disons, diplomatique? Si jamais il serait réellement libéré, est-ce que il ne doit pas justement être gardé en prison par ces puissances internationales qui ont imposé Ouattara jusqu'à ce que il trouve au moins une solution? Ok, madame, le président Laurent Gbagbo va bien. Il est en possession de toutes ses facultés physiques et mentales.
et il se prépare à affronter cette épreuve comme il a affronté toutes les épreuves passées. Ce n'est pas la première fois que le président Laurent Gbagbo se retrouve devant la justice pour avoir voulu défendre son peuple. Donc il va bien. Mais il appartient à la communauté internationale de décider de ce qu'elle veut faire de Laurent Gbagbo et partant de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes les pacifiques. Et nous, c'est nous qui demandons la libération du président Laurent Gbagbo. Soit il libère le président Laurent Gbagbo pour permettre à la démocratie de reprendre son droit, ou bien ils enferment Laurent Gbagbo. Et nous qui sommes les pacifiques, nous qui voulons régler la question sur le terrain démocratique, notre voix ne portera plus. Et ce seront les extrémistes de notre camp qui l'emporteront. Et si ces extrémistes-là l'emportent, madame, ce sont les armes qui vont tonner en Côte d'Ivoire. Donc, il appartient à la communauté internationale. Nous disons qu'il est d'abord injuste que M. Ouattara soit à la CPI et que M. Laurent Gbagbo soit à la CPI. M. Ouattara y sera bientôt. Mais c'est d'abord injuste que Laurent Gbagbo soit à la CPI. Nous ne comprenons pas que pour un contentieux électoral en Côte d'Ivoire, l'on puisse emmener un président à la CPI. Donc, il appartient à la communauté internationale de décider. Soit elle garde Laurent Gbagbo, c'est son choix, mais elle sera obligée d'assumer les conséquences qui en découleront. Parce que sans Laurent Gbagbo, madame, il ne peut pas y avoir de paix en Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui que les Ivoiriens ont élu. Donc il appartient à M. Obama, il appartient à M. François Hollande de décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous qui sommes les Ivoiriens et qui subissons les conséquences de leurs choix, les regardons, nous leur disons, il est bon de libérer Laurent Gbagbo maintenant. Pour ne pas que le pire se produise, madame. Il est bon de libérer Laurent Gbagbo au moment où des pacifistes comme Steve Biko, comme Kouah Justin, comme Mia Kaoretto, comme Akun Laurent le demandent. Parce que si on n'écoute pas Steve Biko, si on n'écoute pas Kouah Justin, si on n'écoute pas Akun Laurent, il est fort probable qu'on se retrouve en face des Kabila, en face des Savimbi, en face des gens qui croient au pouvoir des armes. Nous croyons au pouvoir de la parole, nous croyons au pouvoir de la dénonciation. Et il est bon que l'on nous écoute pour éviter le chaos à notre pays. Oui. Alors, il y a récemment eu des élections au Kenya, une situation qui avait été un peu similaire ou qui avait été que les gens allaient annoncer que ça allait être comparable à la Côte d'Ivoire, mais aussi un pays où le perdant des élections a été un des gens qui était venu en Côte d'Ivoire, Monsieur Odinga. Était venu en Côte d'Ivoire pour être médiateur dans la crise entre Gbagbo et Ouattara. Et ensuite, à la Cour pénale internationale, les gens avaient utilisé des preuves à un moment donné et ils avaient montré des photos du Kenya au lieu que ce soit des photos de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est pas un signe que les Européens voient les Africains, c'est la même chose partout, il n'y a pas de différence pour eux entre la Côte d'Ivoire et le Kenya. Mais ensuite, la comparaison entre la situation en Côte d'Ivoire et la situation au Kenya, qu'est-ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, ça s'est passé comme ça s'est passé, et au Kenya, ça s'est passé beaucoup plus pacifiquement, et même le perdant, quand il est allé réclamer la Constitution, la Cour suprême du Kenya lui a dit, il a respecté sa décision. C'est quoi la différence? Madame, vous savez, moi je suis étonné que Raila Odinga puisse saisir le Conseil constitutionnel kényan pour protester contre le choix des élections. Parce que lorsque Raila Odinga est venu en Côte d'Ivoire à la suite du contentieux électoral, il fait partie des gens qui ont demandé que la force soit utilisée pour faire partie de Laurent Gbagbo du pouvoir. Là où M. Ouattara avait la possibilité, tout comme M. Raila Odinga, de saisir le Conseil constitutionnel pour contester le résultat des élections. Donc vous voyez, vous-même vous l'avez dit, c'est deux situations similaires mais qui connaissent des dénouements différents. Parce que d'un côté, il y a un homme qu'on voulait forcément mettre au pouvoir, qui est Dramane Ouattara. Raila Odinga, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris les armes au Kenya pour revendiquer la victoire? Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'utiliser la voie juridique? Et pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il a conseillé et applaudit l'utilisation de la force, madame. Aujourd'hui, le président Kenya, M. Kenyatta, est poursuivi par la CPI. Mais le peuple Kenya a donné la preuve que c'est lui qu'elle voulait comme président. Et la CPI sera obligée de respecter le choix du peuple. Mais en Côte d'Ivoire, on a installé une rébellion depuis 10 ans.
pour que Laurent Gbagbo perde petit à petit le contrôle du pouvoir. Et c'est cela qui est arrivé. Donc, madame, nous les Africains, nous qui menons ce combat, nous ne reconnaissons pas la CPI, nous ne reconnaissons pas à la CPI le droit de juger nos camarades, même les plus mauvais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les Américains qui conduisent eux-mêmes les gens à la CPI ne soient pas signataires du statut de Rome qui institue la CPI. Pourquoi refusent-ils de livrer des Américains à la CPI et ils acceptent que des Ivoiriens, que des Kenyans, que des Sud-Africains soient livrés à la CPI? Madame, la CPI est un instrument politique au service des puissances occidentales pour choisir elles-mêmes les personnes qui doivent diriger les pays africains. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Le président ougandais l'a dit tout récemment lors de l'investiture du nouveau président kényan. Et c'est de plus en plus ce que pense la majorité des présidents africains. Alors justement, si la CPI ne sert que les intérêts impérialistes, comment pouvez-vous vous attendre à ce que Laurent Gbagbo va trouver la justice à la CPI? Madame, nous sommes confiants parce que la vérité gagne toujours. Si le mur de Berlin est tombé, ce n'est pas la CPI qui ne tombera pas. Nous sommes conscients que la volonté du peuple finit toujours par s'imposer. Et c'est pourquoi nous sommes engagés dans ce combat. C'est une injustice qui est faite à Laurent Gbagbo. C'est une injustice qui est faite au peuple de Côte d'Ivoire. Mais nous continuons de lutter parce que nous croyons en la justice. Nous pensons que la vérité finit par l'emporter sur le mensonge. Et si jusqu'à ce jour, les Ivoiriens ont gagné des grands combats contre l'injustice, nous pensons que c'est un autre challenge qui nous est donné aujourd'hui à la haie pour défendre non pas seulement les Ivoiriens, mais toute l'Afrique, pour dire que nous ne sommes plus d'accord pour que les Africains soient infantilisés. Nous ne sommes plus d'accord pour que les Africains soient considérés comme des sous-hommes dont on peut faire ce que l'on veut. Donc, Madame, Laurent Gbagbo est à la haie, mais il est là-bas pour représenter l'Afrique. Il est là-bas pour représenter l'Afrique digne, pour qu'à travers son procès, cela puisse éveiller les consciences des uns et des autres et de nos frères africains en général pour comprendre qu'il est l'heure de faire face dignement, de penser au peuple plutôt que de penser à servir les puissances occidentales. Et celles-ci seront obligées de libérer le président Laurent Gbagbo. Mandela a passé 27 ans en prison, mais il a été libéré parce que son peuple n'a pas abdiqué. Le président Laurent Gbagbo ne passera pas 27 ans, il sortira de prison parce que en face, l'Occident trouvera toujours un peuple debout et déterminé pour mener ce combat. Oui. Alors, merci vraiment, Steve Biko, d'avoir été avec nous. Alors, avant de vous laisser partir, dites-nous où est-ce que les gens peuvent trouver votre livre. Dites aux gens qui nous écoutent comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour propager votre message. Est-ce que vous comptez voyager pour aller justement parler de votre message? C'est quoi vos projets? C'est quoi la prochaine étape? Merci madame. Le livre, tous ceux qui sont, il y a plusieurs contacts. Je ne pense pas que le temps me permette de les donner tous, mais je suis présent sur les réseaux sociaux. Steve Biko, ils peuvent me retrouver sur les réseaux sociaux. Ils peuvent m'écrire, ils peuvent m'envoyer un mail aussi. Mon mail c'est Beko, Beko, Steve en un mot, Beko Steve en un mot, @gmail.com et je leur indiquerai les différents moyens de se procurer le livre. Effectivement, madame, nous comptons voyager. Nous sommes en train de nous y préparer. Nous sommes en train de réunir les moyens nécessaires pour le faire parce que nous comptons nous rendre partout où des Africains, partout où des Européens voudront entendre la vérité sur ce qui se passe. Donc, après le cyberactivisme, nous nous préparons à aller au contact OK. de nos camarades pour ensemble continuer le combat pour revendiquer pour une Afrique plus digne et respectée dans le Conseil des Nations. Et j'ose espérer que votre radio sera toujours à notre côté pour relayer cette page d'histoire de l'Afrique qui se joue sous nos yeux et que nous avons la chance de vivre présentement.
Oui, nous vraiment, nous sommes à la poursuite de la vérité et nous sommes à l'écoute de la vérité et nous vous félicitons pour votre livre et nous vous encourageons à continuer votre combat pour la vérité et la liberté pour tout le peuple ivoirien ainsi que tout le peuple africain. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs avant qu'on vous laisse partir? Qu'est-ce que les gens doivent faire? Les gens qui sont inspirés par votre histoire, qui voudraient faire quelque chose pour votre cause, c'est quoi qu'ils doivent faire dans leur vie, pour vous, pour eux-mêmes, pour leur peuple? Ça serait quoi que vous leur direz en dernier mot pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est, je leur dirais, en toutes choses, cherchez toujours la vérité. Et quand vous l'avez trouvée, battez-vous pour qu'elle soit sue par le maximum de personnes. Nous restons ouverts, les divans restent ouverts et à la disposition de toutes les personnes qui pensent être utiles, qui pensent pouvoir nous apporter leur aide pour continuer notre combat. Nous sommes prêts à apporter toutes les preuves des informations que nous donnons et nous sommes disposés à la confrontation avec toutes les personnes qui estiment qu'elles peuvent aujourd'hui nous contredire dans ce que nous disons. Voici le message que j'avais à passer, madame. Je vous remercie, Steve Biko, d'avoir été avec nous et nous vous souhaitons très bonne continuation dans ce combat pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. À vous aussi. Oh, my international people, oh my God, wow, vraiment intéressant. Les jeunes Africains qui se disent que ça leur regarde. Le combat regarde la jeunesse parce que de toute façon, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en train d'être volé. Si la jeunesse ne se réveille pas pour récupérer son avenir, ils vont se retrouver d'ici quelques années sans avenir, alors que la jeunesse africaine vit et habite le continent le plus riche sur la planète. Vous l'avez entendu, Steve Biko, dans son nouveau livre Côte d'Ivoire, comment je suis devenu cyberactiviste, que vous pouvez trouver sur le cyber, que vous pouvez acheter pour supporter lui et sa cause. Et nous vous encourageons à être toujours à la poursuite de la vérité et la liberté pour tous les peuples. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Ici, Louise Ouattou de Vancouver. Ouais, nous avons hâte d'entendre cet enregistrement vu qu'on a enregistré dans un autre studio aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs, You and I Talk Show, Louise Ouattou de Vancouver. Merci. En ce 11 avril, le peuple ivoirien, on se souvient de vous. Le peuple africain, on est avec vous. Ici, au Canada, on vous adore. Aux États-Unis, partout au monde où vous nous suivez, merci d'être avec nous. Passez une belle soirée. À la prochaine émission. Mura mutye mura koze mura karama imana.